vais te poser une question et je te demande de me répondre sincèrement. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Si la réponse est non, tu sauras exactement pourquoi à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un graphe qui a totalement changé ma vie. C'est un graphe que tu vas pouvoir utiliser tous les jours pour t'aider à prendre de meilleures décisions dans ta vie. Ouais, je sais, c'est pas le même que sur la miniature, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis nul en design. Je vais t'expliquer son fonctionnement aujourd'hui. Et reste bien sur cette vidéo car le graphe à lui tout seul ne servira à rien si tu ne sais pas l'interpréter. Avant de commencer, on va distinguer deux types de plaisir dans la vie. Le plaisir immédiat et le plaisir différé. Le plaisir immédiat, c'est quand tu t'adonnes à une activité qui t'apporte du plaisir tout de suite. Comme par exemple jouer aux jeux vidéo, aller sur un réseau social, ou regarder du porno. Le plaisir différé, quant à lui, c'est une activité où tu vas ressentir le plaisir après avoir fait l'activité. Quand tu lis un livre, quand tu révises ou quand tu vas à la salle. Le problème avec le plaisir immédiat, c'est que certes, sur le moment, c'est cool, tu prends du plaisir, mais après, l'effet s'estompe. Quand tu manges un tacos à midi, t'es content sur le moment, mais ça va pas te refaire le reste de ta journée. Et le plaisir différé, c'est l'inverse qui se passe. Quand tu lis un livre, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant sur le moment, mais une fois que t'as fini de lire, t'es content de ce que t'as fait et t'es fier de toi. Du coup, Samy, ton graphique, il nous sert à quoi, là? Attends, on est qu'au début du graphe pour l'instant. Maintenant, imagine deux mecs, Timothée et Bobby. Timothée se fait une petite série Netflix pendant que Bobby, lui, sort de chez lui et va à la salle. Si tu regardes sur la même journée, entre ces deux gars, il y aura absolument aucune différence notable dans leur vie. Ils seront tous les deux au même point du graphe. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on agrandit la période de temps? Eh bien, on arrive à la phase 2. Mais avant, est-ce que tu te rappelles c'était quoi ta première console de jeu? Moi, je me rappelle, c'était une Game Boy Advance. J'avais genre 2 ou 3 jeux, tu vois. Au début, je me rappelle quand j'y jouais, genre je passais 1-2 heures par-ci par-là le week-end quand j'avais le temps. Et puis plus le temps passait et plus mon temps de jeu augmentait, jusqu'à ce que j'arrive au stade où je me levais tous les matins à 5 heures juste pour pouvoir jouer avant d'aller à l'école. Il s'est passé un truc, tu sais, qui se passe quand on s'adonne à une activité de plus en plus, on crée une habitude. Tu commences, tu joues à la Game Boy, ce qui fait que ton cerveau récolte le plaisir d'avoir joué, ce qui fait qu'il va redemander, donc tu vas avoir le désir de rejouer plus tard. Tu vas du coup rejouer à la Game Boy, etc. Et en fait, je renforce ça à chaque fois cette mauvaise habitude de jouer aux jeux vidéo jusqu'à ce que je devienne totalement accro. Et c'est exactement ce qui se passe avec le porno. Au début, tu le fais de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, jusqu'à ce que tu arrives à un stade où tu es tellement addict que tu as besoin d'en consommer tous les jours, voire même plusieurs fois par jour pour certains. Et le problème quand tu renforces une habitude négative, c'est que de 1, tu deviens totalement addict, mais cette addiction surtout, elle va avoir des impacts négatifs sur le reste de ta vie. Tout d'abord, la baisse d'estime de soi qui est liée au fait de regarder du porno qui va du coup impacter tes relations sociales avec les autres. Tu vas aussi avoir une baisse de la motivation qui va avoir un impact sur tes études, sur ta productivité, sur ton business. Et puis aussi, tu vas avoir peur de parler aux meufs parce que t'es trop habitué à sexualiser les femmes en fait. Et maintenant, imaginons l'inverse, c'est que tu deviennes accro à une bonne habitude, par exemple aller à la salle. En plus de construire cette habitude, tu vas apprendre à ton cerveau à retarder la source de plaisir, ce qui va avoir un impact énorme sur de nombreux domaines de ta vie. Et c'est là qu'on est à la phase 2 du graphe. Comme on l'a vu, sur une période de temps courte, ça donnait un plaisir immédiat ou un plaisir différé, ça n'a aucune différence. Mais si tu le fais sur une période de temps assez longue, et ben là, ça a un impact drastique sur la vie d'une personne. Et ça devient encore pire à la phase 3, à cause de l'effet cumulé. Reprenons avec Bobby et Timothée. Tu te rappelles là où Timothée, ce matin, filme, Bobby était à la salle en train de soulever de la fonte. Sur une même journée, on voyait quasiment aucune différence entre les deux. Maintenant, imagine si tous les deux, ils répétaient ce comportement pendant 5 ans. Qu'est-ce qui se passerait? Timothy serait devenu incollable sur le catalogue Netflix, mais il aurait probablement pris du poids parce que bah il fait pas grand chose de sa vie, il fait pas de sport. Sa vie sociale en aurait pris un coup, et puis il aurait pas de copine parce que sa vie est plus la merde en fait. Bobby, quant à lui, au bout des 5 ans, il aurait son corps de rêve. Bobby n'a aucun mal à se faire des amis parce qu'il fréquente plein de gens quand il va à la salle. Et en plus de ça, il a confiance en lui, ce qui fait qu'il a pas peur d'aller vers les autres. En plus de ça, il a probablement une copine parce que 5 ans de salle, il a extrêmement confiance en lui. Et puis enfin, il est discipliné grâce à cette habitude, ce qui lui permet eh bien d'exceller dans son job ou dans son business. Tu vois maintenant comment la répétition d'une petite habitude simple hein, sur une grande période de temps peut avoir un énorme impact sur la vie d'une personne. Et bah ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et c'est d'ailleurs là qu'on arrive à la phase 3, la phase où tout explose. Pour la personne qui a adopté les bonnes habitudes pendant une grande période de temps, et bien elle va voir sa vie drastiquement s'améliorer. A l'inverse, la personne qui a adopté de mauvaises habitudes, pour cette personne, ça va être la descente aux enfers. Et c'est exactement ce qui va se passer pour beaucoup de mecs entre 18 et 25 ans. Pour l'instant, ils s'adonnent à plein d'activités de plaisir immédiat, de mauvaises habitudes, parce qu'ils ne voient pas d'impact négatif sur le court terme. Mais ce sont les mêmes mecs qui, arrivés vers 28, 29, 30 ans, vont avoir une énorme remise en question et vont voir leur vie totalement décliner d'un coup. Tu ne dois pas faire pareil, d'accord? Au lieu de regarder l'impact qu'une activité aura à court terme sur ta vie, regarde l'impact qu'elle aura à long terme, sur 5, 10 ans. Aujourd'hui, si tu as une vie de merde, demande-toi, quelles ont été les décisions que j'ai prises pendant ces 5
dernières années. En 2022, quand j'ai décidé de me reprendre ma vie en main, j'ai vu que j'avais plein d'activités de merde qui m'handicapaient dans ma vie. Passer trop de temps sur les jeux vidéo, consommer trop de porno, fréquentation négative. Et ça, c'est des mauvaises habitudes que j'ai remplacées par de bonnes, en fait, au fur et à mesure du temps. Ce qui fait que, juste en un an et demi, j'ai accompli beaucoup plus de progrès que je n'en avais jamais accompli dans ma vie. Ça veut pas dire que tu dois abandonner toutes les sources de plaisir immédiat, sinon, à quoi ça sert de vivre, en fait, si tu peux pas te faire plaisir? Comme moi, applique simplement la loi de Pareto à ta vie. Fais en sorte que 80% de ton temps, de ton énergie et de tes actions soient consacrées à des activités de plaisir différées et laisse les 20% restants pour des activités de plaisir immédiat. Non seulement tu vas énormément progresser parce que l'homme moyen, frère, 90% c'est du plaisir immédiat en fait et 10% c'est du plaisir différé. Donc déjà, en plus de fumer, d'exterminer l'homme moyen en quelques années, eh bien tu vas aussi apprendre à choisir spécifiquement ces activités de plaisir immédiat que tu vas avoir. Et si tu arrives à appliquer ça à ta vie pendant les 5 à 10 prochaines années, frérot, tu vas être à des années-lumière des gens qui auront ton âge à ce moment-là. Oh mais Samy, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je sais, je suis moi-même passé par là et ça a été difficile quand tu es tout seul, reprendre ta vie en main, modifier ses habitudes, c'est une galère. C'est pour ça que si tu veux de l'aide, si tu veux plus particulièrement que je t'aide à reprendre ta vie en main, reconstruire de bonnes habitudes, à supprimer tes mauvaises habitudes et à te redéfinir un cap dans ta vie, tu peux réserver un appel avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description. L'appel est totalement gratuit pendant tout le mois de juin, donc profites-en dès maintenant. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi. Allez, ciao !